Salut tout le monde, c'est Mister Baking pour la présentation d'un jeu qui s'appelle, alors ce jeu s'appelle Minion Rush. C'est un, je vous ai passé tous les chargements et tout ça, donc je suis en plein sur une partie. Donc voilà, là je redémarre. Donc voilà, alors il y a plusieurs mondes dans ce jeu là. Les bananes c'est l'argent. On a des espèces de, je sais pas si vous avez vu, mais dans les jeux parfois ils vous demandent parfois d'acheter des choses et de les accélérer, et la monnaie d'accélération, on a ça aussi dans ce jeu là sauf que ça permet par exemple d'acheter des bonhommes un peu plus cheated. Et donc ça fait un petit peu longtemps, ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas joué à ce jeu là et donc vous pouvez vous réanimer pour, voilà, c'est cette monnaie là c'est un G. Comme on en a que 25, je préfère pas les utiliser, donc voilà, je vais jouer. Donc voilà, alors on a un canon, je vais vous le faire parce que voilà quoi. Alors hop, là ça vous amène dans un canon et pouf, ça vous expulse plutôt loin, enfin un petit peu loin quoi. Ensuite voilà, vous avez passé une petite phase et là on a une petite phase. Donc voilà, alors ça c'est ça, vous avez vu, ça a nommé le côté de droit, on peut voir de droit, mais ça ne met jamais à gauche, d'ailleurs je sais pas pourquoi. Et quand vous touchez un minion, vous avez un bonus méchant. Et donc voilà, l'aspirateur, je le veux. L'aspirateur, il aspire les bananes. C'est un aspirateur à bananes. Donc voilà, c'est pas mal. Hop là. Hop là, bonus méchant, ça prendra, tu m'as regardé. Donc voilà. Et il y a plusieurs mondes, donc. Et les mondes... en gros, parfois, je vais vous montrer comment on les trouve. Voilà. Ça, ça ajoute à la mise à jour parce que moi j'ai joué, mais il n'y avait pas encore des mises à jour, donc ils ont dû ajouter plein de trucs. D'où ces poteaux bizarres, cette espèce de tunnel. Oh mince, je me suis pris. Oh, je réanime parce que là, franchement, ça m'énerve. Généralement, vous réanimez pas parce que vous gâchez votre monnaie, mais là, j'ai vraiment envie de vous montrer le monde. Donc, s'il faut que je me réanime, c'est pas très grave. De toute façon, ce jeu là, voilà quoi. Je vais craquer bientôt, enfin cricou craquou côté bientôt mes appareils, donc voilà, j'aurai plus besoin d'utiliser de oh ça m'énerve. 25, mais ils sont sérieux là, mais ils sont sérieux ceux-là là. Mais alors voilà, il y a plusieurs mondes, donc j'ai l'impression que je peux pas vous les montrer. Il y a le quartier résidentiel, le centre-ville. Sur la tablette, j'ai été jusqu'au repère d'El Macho. Après, après la mise à jour, ils ont rajouté le centre commercial. Je vais y arriver, franchement. Et la plage des mignons. Donc voilà, on voit juste une paire de fesses. Voilà. Alors ça permet d'améliorer vos capacités. Donc ça, le pistogel, ça veut dire que quand on l'améliore, voilà, ou je sais pas, quand on l'améliore ça me demande quoi, mais bon, ça coûte plutôt cher au début. Moi je trouve au début ça coûte assez cher quand même, ils auraient pu mettre un peu moins, parce que vous voyez là par exemple c'est 750, il y avait un truc c'était 200. Donc voilà, ce jeu il est présenté, je pense que j'ai rien oublié. Et la prochaine fois que je vais vous montrer une vidéo, je pense que ce sera sur les outils d'un iPhone. Et donc, je vous dis, comme les vidéos que je fais à chaque fois, sur l'heure du jour. Et donc, je vous dis, à la prochaine.